Depuis quelques jours, la mort de Sylvie a bouleversé Guillaume dans un si grand soleil. Le magistrat s'est marié quelque temps auparavant et devait s'envoler pour le Japon avec la femme d'affaires pour son voyage de noces. Mais la vie en a décidé autrement. En effet, Sylvie s'est retrouvée en bas des escaliers, inerte. Dans les prochains épisodes, diffusés dans le courant du mois de décembre 2022, sur l'antenne de France 2, Guillaume est toujours dévasté par la disparition de sa conjointe. Johanna tente alors de le rassurer sur cette histoire et lui demande de travailler pour oublier. Cependant, un autre événement vient bousculer le cours de sa vie. Johanna a manipulé dans un si grand soleil en effet, Yann, Constantin Balzan, débarque pendant le dîner de Johanna et Guillaume. Il donne un véritable coup de poignard à Johanna, Aurore Delplace, en plaçant en garde à vue le magistrat. Lors de son interrogatoire, il avoue qu'il a eu un entretien avec un usurier au moment du décès de sa femme. Mais ce dernier nie les faits. Pendant la soirée, Yann surprend la jeune avocate en train d'épier son portable. L'enquêteur souhaite lui tendre un piège machiavélique. Yann décide de glisser un PV falsifié pour excès de vitesse dans le dossier. Et elle se rend auprès de Claudine, Catherine Wilkening, pour établir une stratégie. Johanna commence à douter de Guillaume, Manuel Blanc. Mais le magistrat se défend bec et ongle et clame une nouvelle fois son innocence. Il pense que ce document est un faux PV. Elle comprend que Yann l'a manipulé et demande des explications à ce dernier. Il se quitte alors fâché. Yann fait une découverte étonnante sur France 2 Hugo, Bibi Tanga, de son côté, décide d'aller chez Sylvie en compagnie de Yann pour réaliser une reconstitution. Le médecin légiste souhaite vérifier qu'il ne soit passé à côté d'aucun élément. Yann doute de la culpabilité de Guillaume et veut le prouver. Sur le côté, ils vont apercevoir un nouveau cadavre, celui d'un hibou. Mais cette découverte va-t-elle relancer l'enquête autour de la mort de Sylvie, Olivia Bruno? La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Ainsi Grand Soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2.